Bourgoin, une bonne nouvelle que je vous annonce tout de suite. On a appris, eh bien, juste avant la rencontre, que Émile Ntama, qui était papa depuis hier soir, bienvenue donc à son fils, puisqu'il s'agit d'un fils, Romain, de son prénom. Balle déviée par les Français avec un ballon pour Philippe Saint-André qui redonne sur Émile Ntama. Remonte Émile. Voilà, il faut remonter, il faut donner. Non, il revient à l'intérieur, Émile Ntama. Il repart à côté avec Abdel Benazi. Émile Ntama toujours. C'est magnifique, c'est en train de faire Émile Ntama sauter là-bas pour Christophe Delan. Pour c'est là qui a radonné sur Sadoni. On revient à l'intérieur avec Golo Cabane. On est à 22 mètres, la ligne de but. Son plaquage, Jordi Barrette, et là ça va jouer à la course. Le rebond. Allez, allez Antoine. Rebond. Antoine Dupont, Romain Ntama qui revient. Est-ce qu'il a ramené ce ballon dans son en but et il relance. Bien Romain. Allez, accélère. Allez Romain. Romain. Oh oui, formidable avec Jaminet. Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là? Le ministre de l'Intérieur, évidemment. Antoine Dupont au soutien. Allez, de suite, de suite, de suite. De l'autre côté là-bas, au large. Il y a du monde là-bas. Oui, mais Antoine Dupont, il était pris, il ne pouvait pas éjecter ce ballon, c'est Barlow qui s'y colle. Gros, oh oui, il y a du monde, c'est les extérieurs. Cameron Wauki, il a le soutien de Tanti. Wauki qui garde, qui accélère. Allez, venir, déplier ce ballon. Romain Taufi Fénois qui conserve dans l'axe, en percussion. Allez, encore, encore dans l'axe, encore dans l'axe. Bamba qui essaye de nettoyer. Il a donné à Oshi. Oshi libère son ballon. Voilà, Hogan, Hogan pour Meline, Meline pour Goegan, interception d'Émile Ntama, Émile Ntama, Émile Ntama, Émile, cours Émile, vas-y, Émile, 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 qui part vers la ligne de touche, il va marquer l'essai, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà l'essai d'Émile Ntama, alors déjà qu'il était en train de devenir la star de cette Coupe du Monde. On va s'attaquer la ligne, attention, oh oui, il y a des décalages, oh, interception, au bout, tire. Tu vas y aller, oui monsieur, il y va, l'essai sur cette interception de Romain Ntama. Ballon pour les Français, on va marquer, peut-être l'essai, on va marquer, c'est l'essai peut-être, et c'est peut-être Ntama, on va marquer, il a lancé un grand coup d'épaule dans la défense. Black, Dupont, Villiers maintenant. Et on s'approche de la ligne d'en but, plus que 10 mètres. Très bonne séquence de jeu avec Ntama. Et le deuxième essai fantastique de Romain Ntama. Deuxième essai accordé par Wayne Barnes. 12-6 pour les Bleus. Toujours 5 points d'avance pour l'équipe de France. 5 points, c'est pas grand-chose, c'est juste un essai. Ballon récupéré par Olivier Maire. Le Galtier dans le fermé. Il y a bon coup à jouer avec Ntama. Ntama de la ligne de touche, il revient à l'intérieur. Il va aller au bout. Ntama. Émile Ntama qui va aller marquer. Voilà qui est fait. Le deuxième essai de l'équipe de France. Grâce à Émile Ntama. Allez, on laisse les chevaux extérieurs. Ouais, Ntama, la fin de passe. L'accélération sur Ham. Quel numéro. Oh, la beauté. Le chef-d'œuvre. Gistra l'essai de Romain Ntama et la punition pour les Sharks dans cette deuxième mi-temps.